Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire la petite vidéo qui va bien pour la petite routine quotidienne ou pas, mais quand on a juste envie de pratiquer une trentaine de minutes pour se faire du bien d'une manière générale. On va aller sur la respiration, sur le gainage, sur la souplesse, sur l'alignement, sur la bonne digestion, ventre plat, bonne position de la langue. C'est vraiment le melting pot de tout pour nous les filles. Et j'ai fait la même vidéo aussi pour les garçons. Bon, ça peut s'échanger, évidemment. On peut faire l'un et l'autre, évidemment. Mais je vous emmène avec moi aujourd'hui dans ce joli paradis de Bali pour faire ce petit rituel, parce que j'avais envie de me l'offrir à moi-même. Et puis, je vous emmène avec moi toujours pour le faire ensemble. Alors, venez vous placer sur le tapis, les deux pieds parallèles, largeur du bassin. Toujours, vous connaissez ça. Je répète à chaque vidéo que vous avez les sept piliers satyam qui sont indispensables à une bonne pratique pour pouvoir vraiment repartir de la base et utiliser ça dans toutes vos pratiques quotidiennes. Mais ici, c'est vraiment le melting pot. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout de l'enseignement et jusqu'au bout de la technique. Sinon, on a une demi-heure qui va se transformer en 2 heures ou trois jours même. Mais on part sur des choses simples. Venez vous poser, on relâche les mains de chaque côté. On se grandit jusqu'au sommet de la tête. On relâche les épaules et on serre directement les deux jambes l'une vers l'autre pour commencer le gainage, le ressenti de notre centre, de notre présence, de notre engagement à ce que l'on fait. Ça nous permet aussi d'être ici et maintenant au moment présent et de ne pas penser aux courses, aux enfants et à tout ce qu'on doit faire ailleurs. C'est de rester présent à l'engagement ici, maintenant, du début jusqu'à la fin de la séance, ce qui apaise notre système, ce qui va chercher des bonnes petites hormones du bonheur, du bien-être, de l'apaisement. Venez mettre une main au niveau du ventre et l'autre main au niveau du cœur, de la poitrine. Placez vos épaules à l'arrière pour ouvrir la poitrine vers le haut et retrouvez le petit creux au niveau du bas du dos, toujours la petite lordose lombaire. Venez ressentir l'air qui rentre au niveau des narines avec le bout de la langue qui est au niveau du palais. Le visage est relâché et ressentez que vous êtes porté par votre propre structure. Allez jusqu'au bout de l'expire et observez les mouvements du ventre et de votre poitrine. À l'inspire, on peut ressentir la poitrine qui gonfle et puis le ventre qui gonfle ensuite avec le ressenti du diaphragme qui est poussé vers le bas. Et donc, évidemment, le ventre qui gonfle. Sans pousser le ventre à l'avant, gardez bien le ventre rentré toujours. Et à l'expire, allez jusqu'au bout de l'expire en ressentant le diaphragme qui monte dans la cage thoracique et cette pression négative qui va venir masser nos organes pour relâcher aussi tout l'air qu'on a dans le ventre et pour avoir ce joli ventre plat que l'on souhaite toutes. Faut pas se le cacher. On inspire, on laisse grandir la poitrine. Le ventre et on expire, on va jusqu'au bout de l'expire, on relâche les épaules de chaque côté et en même temps on relâche notre peau du visage, notre peau des épaules, de notre haut du corps avec l'engagement au niveau du bas du corps qui est toujours présent, les deux jambes serrées l'une vers l'autre. On inspire encore une fois, sans forcer sur l'inspire, est tout à fait naturel en gardant le ventre rentré, il y a assez de place pour ça. Au niveau de la poitrine, mais on ressent ce massage au niveau des organes. Et l'expire, on va jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de l'expire. On relâche les mains de chaque côté et on se grandit jusqu'au sommet de la tête. On prend cette posture d'élégance, d'étoile, avec cette théorie de l'étoile que vous connaissez bien, ce cisaillement des deux jambes l'une vers l'autre. On se fait du bien, une demi-heure pour soi. On inspire, on lève les mains vers le ciel. À partir de notre centre, à partir de notre force intérieure, comme une danseuse étoile, on se grandit jusqu'au bout des doigts, les bras de chaque côté des oreilles, on utilise les muscles du dos pour
ouvrir la cage thoracique. On expire, on reste là, on lève les orteils vers le haut pour aligner nos jambes et on fléchit un petit peu les genoux. Pas besoin de les regarder, mais on ressent que nos jambes sont droites, que les quatre coins des pieds sont posés au sol. On ouvre les orteils un maximum et on vient effacer nos hallux valgus ou notre mauvaise posturologie qui n'est pas très jolie non plus. On inspire, on se grandit jusqu'au bout des doigts, les deux bras de chaque côté des oreilles. On ouvre le menton, le visage est toujours relâché. On expire, on va jusqu'au bout de l'expire ici et cette fois-ci on fléchit les genoux. On peut fermer les yeux pour être encore un petit peu plus au fond de nous, présent. On serre les deux jambes l'une vers l'autre. On inspire, on se redresse, le menton est ouvert, toujours le oui, le visage relâché et doux. On vient chercher la douceur. On expire jusqu'au bout de l'expire, les deux bras de chaque côté vers l'arrière. On range le bas du ventre et on vient masser encore un petit peu plus les organes où on ressent qu'à l'expire, le ventre rentre. On peut vraiment tirer le nombril vers la colonne vertébrale en allongeant la colonne, toujours jusqu'au sommet de la tête. On inspire, on prend l'énergie des jambes, on se grandit jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au bout des doigts. Les mains sont relâchées, élégantes, toujours. On expire jusqu'au bout, on tire les mains en arrière, on allonge la colonne vertébrale. On relâche le visage. On inspire, on vient mettre les mains au niveau du genou, on ouvre la poitrine devant. On allonge comme si on poussait le sommet de la tête vers un mur devant. On lève les orteils toujours, nos jambes sont droites et activées. Le fait de lever les orteils, vous savez bien que ça active les quadriceps et tous les tendons qui sont para-articulaires et qui vont réaligner nos articulations. On expire, on vient mettre le bout des doigts au sol et on s'incline jusqu'au sommet de la tête avec les orteils qui sont toujours levés. Ici, le plus important, c'est de venir toucher le sol avec les mains, mais avec les jambes fléchies si vous avez besoin pour garder le petit creux au niveau du bas du dos. Ce n'est pas une posture de fermeture, contrairement à ce qu'on peut penser dans beaucoup d'autres styles de yoga. Ici, on continue à s'ouvrir parce qu'on est déjà toujours fermé dans nos vies de tous les jours. Alors, on vient s'ouvrir à tout ça. On expire, on relâche la tête entre les bras. On relâche le visage, on vient chercher la douceur pour soi. On inspire, on active nos jambes, on fléchit les genoux peut-être. Un petit peu, les mains sont en dessous des épaules et on pousse le sommet de la tête vers l'avant, les épaules loin, les oreilles. On expire, on garde les orteils levés, mais en même temps que l'énergie musculaire, on peut aller vers l'organique, vers la douceur, en relâchant la tête, en se laissant être porté par soi-même. Encore une fois, on inspire, on ouvre la poitrine, on regarde vers l'avant. Cette fois-ci, on lève nos ailes vers le ciel, nos plumes. On monte peut-être sur la pointe des pieds, on cisaille les deux jambes l'une vers l'autre, on reste présente et engagée. On expire les pieds à plat au sol, on tire nos ailes en arrière. On inspire, on se regrandit les bras de chaque côté, même à l'arrière des oreilles pour avoir l'élégance, les épaules loin des oreilles. Le corps, la poitrine et le sternum vers le ciel. On expire, Samasthiti, prenez ce que vous avez de plus cher entre vos mains. Relâchez les orteils. Et ressentez cette pulsation du cœur qui est en vous. Ce retour à la vie, toujours. On reste, on pose. On revient à ce qui fait battre notre cœur. Et on continue la danse. On relâche les mains de chaque côté. On inspire, on lève les mains vers le ciel. On lève les orteils. Utkatasana. On expire, les mains au sol, on ouvre la poitrine et on relâche juste la tête vers le sol en gardant l'ouverture au niveau du bas du dos pour garder l'alignement au niveau des lombaires. C'est là où ça peut être dangereux quand on va venir tendre les jambes et arrondir le haut du dos. On vient toujours pousser les faces postérieures des cuisses vers l'arrière, on ouvre la poitrine devant, on allonge. On expire, on s'incline. On garde l'énergie musculaire des jambes, le gainage, mais toujours la douceur, la fluidité. Le yin au niveau du haut du corps. On inspire, on allonge devant. On expire, cette fois-ci, on recule le pied gauche vers l'arrière. Grand pas de géant. Regardez vos fondations. On repart toujours de cette base-là. On est posé face antérieure de la cuisse à l'arrière vers le haut. Petit creux au niveau du bas du dos. On garde ça. On vient trouver la stabilité au niveau de notre posture et on lève nos ailes vers le ciel. On expire, on descend le genou à l'arrière vers le sol et on laisse descendre les mains vers le sol également. On inspire, on tend la jambe à l'arrière. On se grandit. On expire, on redescend.
Les coudes de chaque côté, on rentre le bas du ventre, on cisaille les deux jambes l'une vers l'autre, c'est ce qui nous permet d'avoir ce gainage. On inspire, on lève. Ok, on expire les deux mains de chaque côté du pied avant, on ouvre la poitrine devant et on tire le pied vers le haut, on ouvre devant ici. On allonge la colonne vertébrale comme on le fait quand on est debout et on expire, on pousse en arrière. Une posture si intense de faire ceci, on ouvre les orteils. Si c'est trop, vous pouvez déposer le genou au sol, toujours, avec cette variation. On tend la jambe à l'arrière, on garde le petit creux au niveau du bas du dos. Les épaules, surtout, sont loin des oreilles et l'espace entre les omoplates est relâché. Maintenant, le gainage va venir au niveau du ventre. On rentre le bas du ventre, le nombril contre la colonne vertébrale et on regarde vers l'avant. On a toujours cette posture d'élégance. On expire, on tire les genoux vers l'avant. On inspire, on pousse derrière. Avec le sourire, on fléchit les coudes et on vient se poser au sol. On n'a qu'une demi-heure, les filles, donc on y va. Les pieds à plat au sol, on serre les deux jambes l'une vers l'autre. On range le bas du ventre, gardez toujours ce gainage central qui permet d'avoir cette élégance et cette ouverture au niveau du haut du corps. On expire, on revient au sol. Rappelez-vous que quand on ouvre le bassin, toujours qu'on garde le petit creux au niveau du bas du dos, la poitrine et les épaules vont s'ouvrir encore un peu plus. D'où le fait que l'on peut aller muscler un peu plus le dos avec Bhujangasana et ouvrir la poitrine encore plus. On expire, on revient au sol. Je vous conseille toujours de lever les mains si vous voulez ne pas tricher et pousser sur les mains pour avoir les épaules qui tombent vers l'avant. Gardez cette ouverture-ci. On expire, on revient au sol. Allez, encore une fois, on inspire, on lève, on ouvre la poitrine. On expire, on rentre le bas du ventre. On serre tout vers la ligne médiane. Les jambes sont toujours engagées. Et on pousse en arrière, en chien tête en bas. Là, c'est la même chose. On pousse les fesses vers le haut et vers l'arrière. On rentre le bas du ventre et on allonge l'espace entre les épaules et les oreilles. Pour garder cette ouverture de la poitrine, cette élégance de la femme, on a besoin. Et cette ouverture au niveau du bassin. Maintenant, le gainage se fait au niveau du bas du ventre. Il reste là. Le visage est relâché et vous restez connecté à votre respiration toujours. Jusqu'au bout de l'expire, où vous relâchez tout ce qui n'est plus nécessaire. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel, jusqu'au bout de l'inspire, jusqu'au bout des orteils. Gardez le bassin parallèle pour aller plus muscler le grand fessier. Si on ouvre la hanche, on va plus haut, mais ça muscle le moyen fessier. Si on garde le bassin parallèle, là pour le coup, on muscle ces fesses qui font évidemment l'effet d'avoir un beau petit popotin, mais en plus de ça, avoir un bassin qui peut être beaucoup plus fonctionnel par rapport à nos organes. On expire, on tire vers l'avant. Je vous ai fait laisser respirer un moment, chien tête en bas, la jambe levée. On inspire, on relève vers le ciel. Cette fois-ci, on va tirer le talon à l'arrière vers la fesse et on va ouvrir la hanche en gardant les épaules parallèles. On inspire, on expire ici, toujours. On vient twister à partir du nombril. On est stable au niveau des mains, au niveau des épaules. Le visage est toujours relâché. Et regardez votre jambe d'appui, elle est bien dans l'axe également. Allez jusqu'au bout de l'expire pour masser vos organes ici dans cette posture d'ouverture. On inspire, on tend la jambe vers le ciel, on remet le bassin parallèle. Et on vient replacer le pied entre les mains devant. On tourne le pied à l'arrière à 45 degrés. Là, je vous conseille de venir placer le talon-talon au niveau de la position des fondations ou un petit peu plus large. Ancrer le bord externe du pied à l'arrière au sol et on inspire, on tire nos ailes vers l'arrière. On pose dans cette posture de guerrier 1 ou guerrière. On lève le bras vers le ciel. On vient croiser les pouces et avancer les côtes gauches vers l'avant. Là, pour le coup, pour aller vraiment activer ces muscles paravertébraux qui vont masser aussi tout ce qui est tendu, qui va neutraliser notre système, les tensions au niveau du bas du dos, du haut du dos, à partir de notre centre. On n'utilise pas de support, on le fait à partir du centre du gainage. On expire, on pose un petit peu plus le bassin vers le sol et on ouvre toujours ce bassin en gardant la face antérieure de la cuisse à l'arrière vers le haut. On rentre le bas du ventre et on reste là.
On inspire, on retourne le pied à l'arrière sur la pointe des pieds et on vient twister autour de la colonne vertébrale. En petite parenthèse, je suis dans une maison d'amis et ils vont arriver, ce qui n'est pas grave. C'est la vie, n'est-ce pas? On lève la main vers le ciel, je vais les laisser tranquilles et puis finalement, voilà, on expire. On tire la main à l'arrière, on fléchit le genou à l'arrière. Je me ravis en même temps. On inspire, on lève. On expire, on tire la main vers l'arrière, on ouvre la poitrine. On rentre le bas du ventre. On inspire, on tend. Encore, on expire, on tire derrière, on allonge la colonne vertébrale. On inspire, on lève. Ok, on vient poser la main gauche à plat au sol à 10 cm en avant de l'épaule. Vous savez pourquoi? Pour garder la tête humérale toujours bien dans son socle et pour ne pas se blesser. On recule le pied de devant vers l'arrière. On tourne le pied à l'arrière sur le bord externe. On ouvre les orteils et on lève la main vers le ciel. Ça, c'est le premier step. Deuxième step, comme vous le savez, on vient placer l'autre jambe le long en Vasishtasana. On allonge, on se grandit, on reprend de l'espace. On active nos abdos aussi, on en a tellement besoin. Jusqu'au bout de l'expire ici. Peut-être on vient faire d'autres petites variations en fonction, on ressent notre stabilité, notre confiance, ou on est resté ici tranquillement. On revient là, on ramène le pied vers l'avant, délicatement. On serre les deux jambes l'une vers l'autre, on reprend une bonne fondation, de bonnes fondations. Je vais éternuer. Et on lève les mains vers le ciel. On expire deux fois comme tout à l'heure. On descend le genou à l'arrière vers le sol. On inspire, on tend. On expire, on redescend. On inspire, on tend. Une dernière fois, on expire, on twiste, on dépose le genou au sol. La main sur le bout des doigts à l'extérieur. On tire le genou, le talon de la jambe arrière vers la fesse. En gardant les orteils ouverts et on prend le bord externe du pied. Sans forcer, si le pied ne vient pas de la main, on reste tel quel pour ouvrir et allonger ce psoas et ce quadriceps. Tellement important. Mais gardez le cisaillement des deux jambes et cette stabilité musculaire en fait, en rentrant le bas du ventre. On tire les mains vers l'arrière, on tire le pied vers la fesse et on reste, on pose. Venez loin dans cette expiration, dans cette posture qui est tellement complète. Parce qu'on fait évidemment l'étirement le plus important aujourd'hui. On est toute la journée assise, beaucoup trop. Donc là, on vient ouvrir les hanches et en même temps ouvrir la poitrine, très important avec les orteils ouverts. On allonge cette colonne vertébrale. On va jusqu'au bout de l'expire ici. Relâchez votre visage. Le twist au niveau du haut du corps permet de neutraliser toutes les tensions et de masser les organes toujours aussi. On tend la jambe à l'arrière, lunge twist. On expire la main au sol, on lève la jambe à l'arrière et on vient voler. On pose. On fléchit un petit peu la jambe d'appui si besoin. On reste, on ressent. Et à la force du cœur, on lève les mains vers le ciel. Samasthiti, les mains devant la poitrine. On relâche les mains de chaque côté. On reprend nos fondations, on reste connecté à ce moment, on serre les deux jambes l'une vers l'autre et on vient faire exactement la même chose que ce qu'on vient de faire là maintenant, de l'autre jambe. On inspire, on lève les orteils vers le haut, on tire nos mains vers l'arrière, Utkatasana. On expire, on vient placer les mains au sol, on s'incline juste au niveau de la tête. Relâchez aussi et étirez tous les muscles paravertébraux qui sont un peu tendus entre les omoplates quand on est un petit peu stressé. On inspire, on pousse sur les jambes, on allonge la colonne vers l'avant, les mains au niveau des tibias ou des genoux si besoin, et on expire, on recule le pied droit vers l'arrière, rampe de géant. Toujours ce cisaillement, cette face antérieure de la cuisse à l'arrière vers le haut. On a notre bonne fondation et puis on se redresse. En cross and lunge. On expire, on vient trouver cette stabilité avec le genou à l'arrière qui descend vers le sol. Et cette ouverture, toujours cet étirement, cette ouverture du corps tout entier. On inspire, on tend. On peut le permettre juste à la condition de garder cet alignement tellement essentiel en gardant la face antérieure de la cuisse vers le haut. Jusqu'au bout de l'expire, on descend. On inspire, on lève. On expire encore, on descend.
On inspire, on tend la jambe à l'arrière, le cœur vers le ciel. Une dernière fois, on expire, on descend. Peut-être on peut rester le genou au sol pour commencer. Il n'y a aucun problème. Et faire juste avec la respiration, ce geste-là. Et petit à petit, vous allez voir qu'en gainant le corps tel quel, vous allez vous transformer le pied de devant et repousser vers l'arrière. Haute planche avec une jambe levée. On serre tout vers la ligne médiane, la jambe à l'arrière et la rotation interne. Pour garder vraiment cet alignement et ce cisaillement des deux jambes, on expire, on tire le genou vers l'avant, les orteils sont ouverts, petit creux au niveau du bas du dos. Déposez le genou au sol et juste venez vérifier que l'espace entre les omoplates soit relâché et non pas en train de porter tout le stress avec les omoplates écartées, ce qui ferme la poitrine, ce qui ferme le bas du dos. Rappelez-vous de Shakira, hop, si on sort les fesses en arrière, on sort la poitrine. Donc on sort les fesses. On sort la poitrine, mais on rentre le bas du ventre pour protéger le bas du dos, super important. Et on lève. On inspire, on tend. On expire, on tire vers l'avant. On inspire encore une fois, on tend derrière, on fléchit les coudes et on vient se poser à plat au sol. Les pieds à plat, on serre les deux jambes l'une vers l'autre, on lève les mains. On expire, on revient au sol, relâchez votre visage, allez trouver cette douceur. On inspire, on tire derrière peut-être les mains. On lève peut-être même les jambes. Les muscles du dos sont tellement importants. On expire, on redescend. Encore une fois, on inspire, on lève, on ouvre. On expire, on redescend. Cette fois-ci à Baho Bhujangasana ou Up Dog. On rentre le bas du ventre, on lève le bassin. Et on repart en arrière en rentrant le bas du ventre en premier. On inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Le bassin reste parallèle. On serre tout vers la ligne médiane, les épaules loin des oreilles. Réavancez un petit peu vos épaules vers l'avant, c'est ce qui vous permet d'ouvrir le bassin. Toujours notre ego a envie d'aller loin vers le sol, ça vous casse ceci. Donc revenez un petit peu vers l'avant, ouverture au niveau du bassin grâce à l'ouverture des épaules. Rappelez-vous, pas d'amour, pas de bébé. On expire, on tire le genou vers l'avant. Ou pas d'ouverture du cœur. C'est la même chose. On relance la jambe vers l'arrière, on tire le talon à l'arrière vers la fesse, les épaules restent parallèles et on twiste à partir du nombril. Venez jusqu'au bout de l'expire, serrez tout vers la ligne médiane. On inspire, on reste là. On expire jusqu'au bout encore et on ouvre les orteils, on vient vraiment le plus loin possible au niveau de notre pose. On inspire, on rentre le bas du ventre. On relâche le visage en même temps et on expire, on vient mettre le pied entre les mains devant. On tourne le pied à l'arrière à 45 degrés, talon, talon. On serre tout vers la ligne médiane et on se redresse. Ravancez un petit peu la poitrine vers l'avant et vous allez sentir que de lever la face antérieure de la cuisse à l'arrière vers le haut permet vraiment d'avoir une ouverture au niveau du plancher pelvien qui est hyper important. Maintenant, le gainage de ce plancher et l'élévation au niveau des organes pour éviter cette descente d'organes que l'on souhaite pas toutes, c'est de serrer les deux jambes l'une vers l'autre, ce qui vous permettra vraiment de garder cette ascension à la place d'avoir cette descente de tout, en fait. On lève les mains vers le ciel. Allez jusqu'au bout de l'expire, croisez les pouces et comme tout à l'heure, avancez les côtes, cette fois-ci droite vers l'avant, en tournant la jambe à l'arrière en rotation interne. Je vous ai dit, il y a un petit peu de bruit derrière, mais c'est pas grave. Les amis qui rentrent, on expire, on reste là, on descend un petit peu plus, les épaules loin des oreilles, on cisaille tout vers la ligne médiane, on inspire, on ouvre les bras vers l'arrière pour allonger, ouvrir la poitrine, on expire, on redescend encore un petit peu plus, face antérieure de la cuisse à l'arrière, vers le haut, un maximum, rotation interne de la jambe à l'arrière pour garder cette ouverture du centre, cette colonne qui reste, qui est posée. On inspire, on tourne le pied à l'arrière sur la pointe des pieds. On expire, cette fois-ci, on twiste, on fléchit le genou à l'arrière vers le sol. On tourne autour de la ligne médiane parce qu'on a déjà appliqué cette rotation interne de la jambe à l'arrière jusqu'au bout pour être bien placé. On expire encore une fois, on descend. On vient mettre le bout des doigts à l'extérieur du tapis, l'autre main vers le ciel. On se grandit, on allonge jusqu'au sommet de la tête. On expire, on fléchit le genou à l'arrière, vers le sol, on tire vers l'arrière. Observez votre épaule droite, où est-ce qu'elle est ici? Est-ce que vous êtes toujours en ouverture de la poitrine ou pas? On inspire, on tend. L'épaule est bien en arrière, loin des oreilles.
On expire, on tire derrière, on fléchit. Encore, on aspire. L'élégance et la douceur se retrouvent au niveau des doigts. Faites-vous du bien à la place d'aller chercher la dureté, la difficulté. Tendez la jambe à l'arrière si c'est too much, gardez le genou à l'arrière au sol. Allez trouver cette énergie organique grâce au fait d'avoir le yang, cette stabilité, cette force que l'on peut retrouver à l'intérieur de soi. Comme quand on construit une maison, on peut y trouver que du bonheur si elle est construite correctement, n'est-ce pas? On cisaille les deux jambes l'une vers l'autre, toujours. Ouais, j'ai loupé une étape ici. On tire le talon à l'arrière vers la fesse et on vient prendre le bord externe du pied. On reste en pause. Je l'avais fait après Vasishtasana, mais peu importe. Allez trouver cet expire. L'avancement du bassin vers l'avant. Et là, c'est vraiment les deux épaules sont autant ouvertes que le bassin. C'est le plus important. Ça marche avec les chaînes musculaires. Pas moi qui l'ai inventé, c'est notre nature qui est faite telle qu'elle. On vient mettre la main droite à 10 cm en avant de l'épaule pour garder la tête humérale bien en arrière. Faites attention à cela. Ça doit se faire tout naturellement. On tourne le pied à l'arrière sur le bord externe. On ouvre bien les orteils en gardant le bassin levé. Venez trouver la facilité du mouvement, l'aisance. Peut-être on reste ainsi ou alors peut-être par facilité. Si c'est facile, on allonge l'autre jambe le long. On se grandit. Restez engagé, ce sentiment d'engagement des deux jambes l'une vers l'autre, toujours même ici. Ça se fait avec les orteils qui sont toujours ouverts. On vient ramener le pied à l'avant du tapis, on serre les deux jambes l'une vers l'autre, ce qui nous permet toujours de garder cet équilibre, cette stabilité, le visage relâché. En douceur, on lève les mains vers le ciel. On expire encore deux fois, on tire, on descend le genou à l'arrière vers le sol et on tire les mains vers l'arrière. On inspire, on lève, gardez bien le bas du ventre rentré pour protéger votre dos. La face antérieure, la cuisse vers le haut, le plus important. On descend, on inspire, on lève, on regarde vers nos objectifs, on tire les mains vers l'arrière et on lève la jambe à l'arrière en ouvrant les orteils. On trouve cette stabilité. Moi, je vole avec le palmier là. Est-ce que vous pouvez toujours sourire ou pas? Les épaules sont levées, les omoplates en arrière. Et allongez cette ligne médiane avec ce cisaillement des jambes qui reste toujours là. On regarde vers l'avant, on lève le menton. Et c'est la force du cœur, toujours, qui nous redresse. Les mains vers le ciel. Samasthiti, les mains devant le cœur. Prenez ce que vous avez de plus cher entre vos mains. Revenez à vous, les yeux fermés. Ressentez ces battements du cœur, ces battements de la vie. Ce retour à cette source, toujours, en toute simplicité. On relâche les mains de chaque côté. Laissez-vous être porté par votre propre posture, par votre propre nature. Restez. Déplacez vos pieds et venez vous mettre sur les genoux. La main droite qui porte la main gauche. La main droite, la main de l'homme, la main de la stabilité, la main de la force, qui porte la main du cœur. Et si vous n'avez pas envie de vous placer telle qu'elle, asseyez-vous d'une autre façon ou avec un autre mudra, peu importe. Ce ne sont que des attentions. Les attentions du bonheur, du bien-être, de ce temps pour vous. Observez ici cette force centrale que l'on a réactivée toujours. Et en même temps, cette douceur, ce relâchement du visage, ce relâchement des tensions que l'on porte toujours en trop. Le fait de s'asseoir sur les genoux avec les talons qui viennent masser les ischions va venir activer aussi cette circulation lymphatique au niveau des jambes, surtout quand il fait chaud, comme 40 degrés là où je suis, pour drainer
Et en même temps, gardez ce petit creux au niveau du bas du dos, les épaules en arrière. Et venez vous appuyer sur votre propre dos. Dégustez ce rythme de cette respiration qui est si douce, si pure, si naturelle. Tout est déjà présent. Tout est déjà là. Plongez à l'intérieur de votre propre corps en s'inclinant, en vous inclinant vers l'avant. Venez poser le front au sol, les bras de chaque côté des jambes et venez relâcher totalement les épaules de chaque côté. Restez dans cette posture. Rentrez à la maison, votre propre et unique maison, toujours. À l'inspire, vous vous redressez. On bascule le bassin d'un côté, juste deux respirations. On inspire, on se grandit jusqu'au sommet de la tête. On twiste autour de la colonne vertébrale jusqu'au bout de l'expire. En s'appuyant avec notre main gauche sur le genou droit et en tout twistant autour de cette colonne vertébrale. On inspire, on se regrandit, on vient de l'autre côté. C'est juste pour finir avec les twists. Comme vous savez, je termine toujours avec les twists par l'intention de neutraliser les tensions qu'on a peut-être accumulées quand on commence, si c'est l'une de vos premières séances de yoga. Il est toujours tellement difficile d'aller trouver du relâchement dans cette force musculaire qu'on demande. Alors on neutralise ces tensions par les twists. On vient placer les genoux, les pieds à l'avant, vers l'avant. Je ne suis toujours pas une hindoue, ni une balinaise. Ce n'est pas grave de s'asseoir ainsi juste une petite minute pour finir, mais placez les jambes un peu plus vers l'avant, les fesses en arrière, grandissez-vous jusqu'au sommet de la tête. Et avec cette énergie musculaire-là, venez chercher le yin, toujours en poussant les bords externes des pieds dans le sol pour ouvrir vos hanches en même temps. Allez activer ce contracté relâché que l'on utilise pour s'assouplir. En gardant cet engagement, cette présence qui vous permet de plonger encore un petit peu plus en vous, pour vous et de vraiment prendre soin de vous, engagé par rapport à vous-même. On inspire, on se regrandit. Les mains devant le cœur, en Anjali Mudra, Anjali Mudra, qui signifie prendre ce qu'on a de plus cher et le porter vers l'avant. Observez votre visage, votre relâchement, votre douceur. Inclinez votre tête. Et en vous remerciant toujours pour votre présence, je vous dis namaste.